Bonjour Kim, bonjour à tous et merci beaucoup Kim de m'accueillir sur ta chaîne, je suis très heureuse d'être là. Alors, une bonne intention, c'est l'histoire d'une petite fille qui vient de perdre sa maman. Elle vit avec son père qui est complètement dévasté par ce drame et elle vit également avec sa grand-mère, enfin près de sa grand-mère, qui elle au contraire essaye de faire en sorte que sa famille se maintienne à flot. Un jour, cette petite fille ne rentrera pas de l'école. Alors évidemment, tous les soupçons vont se porter sur le père. Sauf que, bien sûr, les choses ne vont pas être si simples. Alors, ce qui peut se présenter de prime abord comme un thriller un peu classique avec une disparition d'enfant, se révèle assez vite être en fait un thriller un peu différent, les jugements à l'emporte-pièce et sur la bêtise humaine. Voilà, et aussi sur le droit à la différence, bien sûr. Kim, question simple, vraiment. Pourquoi est-ce que j'écris ? J'écris d'abord parce que ça me fait du bien. J'écris aussi, j'écris parce que j'en ai envie. J'écris parce que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer à l'oral, comme tu peux t'en rendre compte. J'écris sans doute... Non, j'écris vraiment par personnel, par envie et sûrement aussi à défaut d'autres choses. Voilà une question un peu compliquée. Alors, je vais être très honnête. Moi, je suis un peu nouvelle dans l'écriture, je débute. On va dire que j'écris de manière un peu sérieuse depuis 2011. Et du coup, j'ai pas vraiment de technique pour maintenir le suspense. J'écris un peu comme ça me vient. La construction des romans s'impose en fonction des histoires. Peut-être s'il y a des secrets, ça serait d'essayer de faire des chapitres courts, de terminer les chapitres par à chaque fois un petit cliffhanger, quelque chose qui fait qu'on a envie de tourner la page. Mais j'en fais pas une fin en soi. Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est la cohérence de l'histoire et c'est l'émotion que je vais réussir à susciter. Une structure spécifique. Là encore, même réponse que juste avant, je dirais que non, j'ai pas de structure spécifique. Ça s'impose en fonction de... C'est l'histoire qui m'impose sa structure. C'est les personnages qui commandent la construction, non. Et puis voilà, comme je le disais un peu plus tôt, moi je suis encore toute neuve, je tâtonne un peu, donc j'essaye des choses. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Mais pour l'instant, voilà, je suis encore en période d'essai. Oui, j'adorerais que l'un de mes romans soit adapté au cinéma, voire tous mes romans, pourquoi pas. Et si je devais choisir un réalisateur, ça serait Stanley Kubrick, donc malheureusement ce n'est plus possible. Mais vraiment, j'aurais vraiment aimé que Stanley Kubrick adapte mes romans, ça aurait été un rêve. J'écoute systématiquement de la musique pendant l'écriture d'un roman. En fait, je ne sais écrire qu'en musique, pour être honnête. Je me crée des playlists, en fait. À chaque fois que j'ai un nouveau roman en tête, je me crée une playlist en fonction de l'atmosphère que j'ai envie de donner, que j'ai envie d'avoir. Et du coup, cette playlist, je vais l'écouter en boucle tout au long de l'écriture. Je crois que la musique m'aide vraiment ça aide vraiment mon imaginaire à faire le boulot, quoi.
Alors, est-ce que j'ai été inspirée par des personnages réels? Oui, bien sûr, notamment pour un sac. Disons que toutes les personnes, tous les personnages, quasiment tous les personnages d'un sac sont des personnages qui ont existé. Alors évidemment, enfin qui existent toujours, évidemment pas sous cette, tout à fait cette forme-là, disons qu'un sac les présente sous une forme un petit peu caricaturale, mais voilà, les traits de caractère sont empruntés à telle ou telle personne. Voilà, alors est-ce que j'ai une anecdote à raconter? Disons que quand ma mère a lu un sac, elle a évidemment reconnu qui se cachait derrière Monique Bonneuil. Voilà. Alors, des romans que j'aurais aimé avoir écrits. Oui, au moins deux, c'est sûr. Le premier, c'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais adolescente et je dois dire qu'il m'a laissé, une empreinte assez forte. J'ai un souvenir très ancré du personnage principal, dont la noirceur m'avait à l'époque vraiment scotché. J'avais adoré. J'aurais également adoré écrire un roman qui s'appelle je crois que c'est Comment devenir un monstre de Jean Barbe. J'espère que je n'abîme pas le nom de l'auteur. Pareil, c'est un roman que j'ai lu il y a vraiment beaucoup d'années maintenant, mais que j'avais trouvé admirable, de noirceur. Mais c'est pas gore, c'est pas du thriller, on est dans quelque chose de très écrit, de très dentelé. Bref, lisez-le, c'est magique. Et puis dernièrement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un roman qui s'appelle L'Embaumeur d'Isabelle Duquesnoy, qui est un roman qui se passe au XVIIIe siècle et qui raconte, comme son titre l'indique, l'itinéraire d'un embaumeur, et qui est là encore magistral, qui est formidablement bien écrit, avec une gouaille superbe, donc c'est très drôle et en même temps c'est extrêmement sombre. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Ce que je pense de l'écriture inclusive. Alors je dois dire que pour être très honnête, je ne suis pas vraiment penchée sur la question, donc a priori j'en pense pas grand chose. Je crois que l'écriture inclusive, si je ne me trompe pas, comporte deux volets. D'abord, même peut-être trois volets. D'abord, le fait de féminiser systématiquement le nom des métiers. Alors, à titre individuel, mais là, je ne rentre pas dans les enjeux sociétaux, politiques, mais à titre individuel, je dois dire que, par exemple, le mot autrice ou auteur avec un E, j'ai beaucoup de mal à m'y faire. Et ça n'engage que moi, et c'est vraiment une question d'habitude. L'écriture inclusive, dans son deuxième volet, je crois, si je ne me trompe pas, c'est aussi le fait de faire les accords en genre et en nombre avec un petit point. Bon, alors, je comprends ce que ça signifie, je comprends pourquoi cette question fait débat. Et là encore, à titre individuel, moi je trouve que ça alourdit considérablement la lecture, étant bien entendu que là on parle pas de roman, hein, on parle vraiment de textes qui sont des textes, des recherches universitaires, des articles. Voilà, moi je trouve que ça alourdit considérablement le propos. Bon, voilà, je me mets aussi à la place des gamins qui apprennent à lire. Je suis une ancienne enseignante, donc à ce titre-là, je suis assez, assez intéressée par le phénomène de l'apprentissage de la lecture. Et je me dis que pour des enfants qui ont déjà du mal, pour certains enfants qui ont déjà du mal à entrer dans la lecture, on ne leur facilite pas du tout la tâche avec l'écriture inclusive. Alors il y a un troisième volet, je crois, qui est de ne pas forcément faire l'accord. Enfin, en tout cas de faire en sorte que le masculin ne l'emporte pas toujours dans l'accord grammatical. J'espère ne pas dire trop de bêtises. Si c'est le cas, Kim,
Je te n'hésite pas à me reprendre en commentaire de cette vidéo, mais bon, là, oui, à la limite, c'est peut-être ce troisième volet qui me dérangerait le moins, et là encore, mes habitudes vont avoir le cuir dur. Je crois que ça pourrait être assez compliqué pour moi de désapprendre une règle que j'ai digérée quand j'étais gamine. Y a-t-il des choses à améliorer dans le monde de l'édition ? Sûrement que oui. Quoi ? Honnêtement, pour l'instant, je n'en sais rien. Je dois dire que je démarre. Donc tout est assez nouveau et j'arrive dans ce milieu-là avec des yeux écarquillés de petites filles émerveillées. Peut-être juste... Il faut que les éditeurs continuent l'effort que pour beaucoup ils commencent à mener de prendre en compte l'intérêt de l'auteur. Voilà. Mais je sais qu'ils sont extrêmement nombreux à le faire. On est finalement tous embarqués dans le même bateau, si je puis dire. Auteur préféré, je dirais Antoine de Saint-Exupéry. Je dirais aussi Amin Maalouf, que j'aime beaucoup pour les ambiances qu'il réussit à donner. Après, il y a beaucoup de romans que j'aime ponctuellement, mais des auteurs que je vais suivre sur la durée, il y en a finalement très peu. Sans doute parce que moi, je m'attache toujours plus à l'histoire et au roman qu'à la personne qui l'écrit. Alors, mon livre de chevet en ce moment, c'est Power de Michael Mention, qui est paru il y a très peu de temps chez Stéphane Marsan Éditions. Je l'ai commencé hier soir, je pense qu'il sera terminé ce soir ou demain matin, en tout cas, il ne va pas faire long feu, c'est sûr. J'ai bien l'impression que j'ai entre les mains un livre assez brillant. Alors, oui, pour un sac, c'était facile puisque j'habite à Paris. Alors pour la petite histoire, il y a une scène qui se déroule dans un commissariat, dans une cellule de dégrisement. J'ai été me faire enfermer moi-même dans une cellule de dégrisement. Je précise que j'étais à jeun, dans une cellule de dégrisement pendant une petite demi-heure. Pour essayer de comprendre ce que ça faisait d'être enfermée. Ensuite, le projet que nous avons mené avec Amélie Antoine, avec elle et sans elle, nous avons passé une journée au Quénois, parce qu'il nous a semblé important de connaître les lieux, de pouvoir les décrire dans notre roman, de manière à ce qu'ils ressemblent le plus à ce qu'ils étaient dans la vraie vie. Donc oui, globalement, j'aime bien faire des repérages parce que, non pas parce que j'ai la manie du petit point de détail qui doit être parfait, mais plutôt parce que moi j'aime bien m'imprégner des atmosphères. Je suis assez sensible aux atmosphères, aux ambiances, à ce que les murs dégagent, aux sons, aux odeurs, donc pour ça j'ai besoin d'aller sur place pour me rendre compte et pour me mettre dans la peau du personnage qui lui va évoluer dans ce décor-là. Oh là là, je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas de sous-littérature. À titre personnel, en tant que lectrice, il y a des genres qui m'intéressent peu, mais je considère que dès lors qu'il y a des lecteurs pour un genre, eh bien le genre existe et c'est pas de la sous-littérature, il procure du plaisir à des gens, il procure des émotions, et eh bien voilà, c'est ça la littérature aussi. Il y a plein de genres de littérature différents, il n'y a pas de sous-genre. Alors, est-ce que j'ai forcément des influences littéraires qui ne se voient sans doute pas de manière directe dans ce que j'écris.
Mais moi, j'ai été nourrie pendant toute mon adolescence par la littérature du 19e. Je suis très influencée par la littérature classique. J'ai aussi eu une très longue période où je ne lisais exclusivement que des romans chinois. Sans doute que j'ai aussi des influences de littérature plus orientale. Pas du tout. Alors, pourquoi c'est important de lire selon moi? D'abord parce que si quelqu'un qui ne lit pas se prive d'un horizon immense, se prive de voyages, se prive de promesses, se prive de toutes les choses que la littérature peut apporter. Et puis bien sûr, ne pas lire, c'est aussi éventuellement être... Je sais même pas comment le dire. En tout cas, c'est lisez quoi. C'est important. Il faut lire. En favorisant l'ouverture de bibliothèques, en favorisant aussi le développement des livres numériques, c'est important parce que le papier, c'est cher et que tout le monde n'y a pas accès dans le monde. En favorisant l'instruction, ça aussi, c'est essentiel. Enfin, ça commence d'abord par ça. Il faut que les enfants apprennent à lire, à écrire. Donc, en faisant en sorte que l'école se développe partout pour tous. Oui, la littérature m'a sauvée, c'est sûr. Elle m'a sauvée à deux reprises. Elle m'a sauvée d'abord quand j'étais ado et que j'étais un peu... La vie était un peu compliquée, j'ai énormément lu pendant cette période et sans doute que ça m'a ouvert plein de possibilités, ça m'a beaucoup apaisée. Et puis elle m'a sauvée aussi par le biais de l'écriture une deuxième fois, lorsque nous sommes revenus de l'étranger, mon mari et moi, après avoir passé quelques temps en Chine. Le retour a été très compliqué et... Si je n'avais pas eu l'écriture, je serais sans doute un tout petit peu moins équilibrée que je ne le suis aujourd'hui. Et ben merci beaucoup de m'avoir accueilli ici, Kim, et puis à très bientôt.